dévoilement d'une borne voie de la deuxième délai, cette cérémonie très importante qui va faire entrer la commune d'Ancine ce soir dans cette communauté de communes, de villes en France qui font partie de cette voie de la deuxième délai. C'est un moment très important pour la commune d'Ancine, c'est aussi un moment très important pour la voie de la deuxième délai tout simplement et la fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Cérémonie de dévoilement de la borne voie de la deuxième DB d'Ancine. Carlaou. Au drapeau. Cérémonie de dévoilement en deux temps. Dans un premier temps, la borne voie de la deuxième DB sera dévoilée. Un temps pédagogique va vous être donné pour comprendre ce que signifient tous ces marquages, notamment sur cette borne. Et puis dans un second temps, seront dévoilés les deux panneaux qui sont de part et d'autre de la borne. Nous allons demander à Omer, à M. Denis Assier, de se rapprocher de la borne, ainsi qu'à Ghislaine Lebarbanchon, Madame Ghislaine Lebarbanchon, qui est maire de Saint-Martin-de-Varville. C'est le point de départ de la voie de la deuxième DB. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, la commune de Saint-Martin-de-Varville est la commune du débarquement de la deuxième DB à partir du 1er août 1944 sur les plages de la Manche, sur les plages d'Utah Beach. Cette borne donc, va faire partie de ce circuit que cette voie qui mène, qui a mené ces soldats de la division Leclerc depuis le lieu de débarquement, le site de débarquement, jusqu'à Strasbourg. Et à Strasbourg, évidemment, là, ce sera également l'occasion d'évoquer le serment de Couffrat. Le général Jean-Paul Michel l'a évoqué ce matin. Alors ce moment, évidemment, émouvant, qui va être immortalisé par les nombreux appareils photo, j'imagine, ce dévoilement de la borne voie de la deuxième DB par Monsieur le maire, accompagné de Madame Ghislaine Lebarbanchon. Et sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, j'habite un petit village de 217 habitants, appelé Saint-Martin-de-Varville, et sur la plage du nom codé d'Utah Beach par les Américains. Mon village a été libéré le 6 juin 1944 par la 4e division d'infanterie. Ensuite, c'est la 9e division d'infanterie qui est arrivée dans ma commune. Pour enfin, l'épopée Leclerc, le général Leclerc. 16 000 hommes, 250 000 tonnes de matériel ont parcouru les chemins de Saint-Martin. Et il y a encore le ponton de débarquement sur lequel sont descendus 252 chars. Donc l'épopée Leclerc a commencé chez nous et elle passe chez vous. Et donc, pourquoi nous avons mis des bornes? Parce que vous êtes au courant qu'il y a la voie de la liberté qui part de Sainte-Marie-du-Mont en passant par Sainte-Mère-Église et qui va jusque Bastogne. Et elle suit le parcours des Américains, plus exactement de l'armée Patton. Or, le général Leclerc était dans cette 3e armée de Patton. Et je trouvais dommage qu'un petit village comme moi, on célébrait sans arrêt les Américains et on oubliait les Français qui n'étaient pas des planqués, puisque depuis 4 ans, ils se battaient en Afrique, 4 ans de campagne victorieuse, ils avaient rejoint De Gaulle, et donc je me suis dit, il faut aussi eux les honorer. Donc nous avons repris, enfin avec mon adjoint, nous avons repris donc la borne
un petit peu la symbolique, la forme de la liberté, de la borne de la liberté, c'est-à-dire qu'il y a le flambeau, parce que la deuxième DB a bien parcouru les océans, franchi les océans, le A de l'armée Patton, les vagues bleues, les étoiles, puisqu'ils ont été armés par l'armée américaine. Donc la différence, c'est qu'à l'arrière, vous avez le symbole de la deuxième DB, la commune de Saint-Martin-de-Varville avec les kilomètres, attention, pas les kilomètres via Michelin, hein, la cartographie de l'époque. En fait, Leclerc ne s'est jamais rendu, il avançait toujours, il reculait jamais, mais parfois il contournait, il faisait un détour, et donc voilà ce qui explique certaines fois les kilomètres. Et là, maintenant, vous savez que nous sommes le plus grand musée à ciel ouvert, couvrant le plus grand territoire français d'est en ouest, puisque ça part de Saint-Martin, ça va jusque Strasbourg. Et donc, vous flashez le QR code avec votre téléphone ou votre tablette, et apparaît par magie l'histoire de ce qui s'est passé ici, et l'histoire de l'ensemble et l'intégration dans la voie de l'ADB, et ça vous ramène aussi à la Fondation Leclerc. Et de l'autre côté, c'est bien précisé que ce sont les bornes du serment de Koufra. Voilà. Alors nous allons maintenant procéder à cette symbolique très forte. Du sable de la plage d'Utah Beach va être dispersé comme un baptême, effectivement, autour de la borne, voie de la deuxième DB, par les enfants, du sable ramené par Gislaine Le Barbanchon. Donc c'est un temps et de l'eau, effectivement, de cette plage. Mais forcément, là, nous sommes sur une symbolique très forte. Les enfants déposent du sable, ici, au pied de la borne. Le tour, mais en tout autour. Alors cette symbolique qui a lieu lors de chaque inauguration donc de borne avec ce sable. Vous pouvez applaudir évidemment à nouveau. Ancile rejoint donc cette communauté de communes qui possède une borne sur cette voie de la deuxième délai. Il y en aura 130 à la fin de l'année 2021, donc 130 communes vont rejoindre cette communauté de communes. Et donc la commune d'Ancile vient de le faire ce 11 août 2021. Alors nous allons procéder maintenant au dévoilement des deux panneaux. Alors ces quatre adjoints de la commune qui vont se placer près de ces panneaux et qui vont dans quelques instants dévoiler les panneaux. Ces deux panneaux que nous allons vous présenter, que vous aurez ensuite l'occasion de découvrir et de lire, bien sûr. Alors d'un côté, donc Marilyn Sangleboeuf et Romain Hutreau, qui sont adjoints donc, à la commune d'Ancine, à la mairie d'Ancine, et de l'autre côté, donc ici donc, à ma droite, Jean-Philippe Baudreau et Frédéric Pénaud. Dévoilement des panneaux. Voix de la deuxième DB. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, vous remarquerez quand vous pourrez voir dans quelques minutes ces panneaux. Celui qui se situe donc à gauche de la borne, c'est le panneau générique. Qui présente l'ensemble de l'épopée, de la Normandie à l'Alsace, de la Manche au Rhin, avec, je vois même une photo du débarquement et une photo d'Alençon, près du PC, du général Leclerc. Et puis, à droite, le panneau donc, local, le panneau spécifique, qui est spécifique donc, au combat d'Ancine. Et là, vous allez y retrouver un récit ainsi que des documents, des photos. Les photos notamment des quatre soldats de la 2e DB tombés pour la libération d'Ancine. Voilà cet espace aujourd'hui donc, dévoilé par les adjoints et par M. le maire et par Mme Gislaine Le Barbanchon. Bravo encore une fois. On peut applaudir à nouveau ce temps fort de la commune. Le premier dépôt de gerbe.
Voilà, ce dépôt de gerbes, donc effectué, nous allons dans quelques minutes entendre les allocutions. La marche de la deuxième bébé. Madame la vice-présidente du Conseil départemental, chers collègues maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les anciens combattants, colonel Godet, mesdames, messieurs les représentants de la Fondation Maréchal Leclerc, mesdames et messieurs les représentants de l'association Vive la Résistance, mesdames, messieurs les représentants de la Gendarmerie Nationale, mesdames et messieurs les pompiers, mesdames et messieurs les musiciens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour rendre hommage à la 2e division blindée du maréchal Leclerc qui libéra notre commune le 11 août 1944. Nous inaugurons aujourd'hui la bande qui lui est dédiée. Je veux saluer Madame Le Barbanchon, maire de Saint-Martin-de-Varville dans la Manche et initiatrice de la création de la bande du serment de Couffrat. Enfin, merci à Madame Siroux d'être présente à cette cérémonie et nous aurons tous une pensée pour son mari, Raymond Siroux, résistant et partisan de la libération d'Alençon. La Seconde Guerre mondiale est une guerre qui scinde en deux le XXe siècle. Il y a véritablement un avant et un après 1945. Le monde a été bouleversé par ce conflit unique de par son bilan humain et la volonté d'anéantir l'adversaire par tous les moyens. Nous voici réunis aujourd'hui, 77 ans plus tard, pour nous rappeler que cette période qui a marqué l'histoire de notre pays, de notre commune, de la vie de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Ancine fait partie de ces nombreux villages qui ont fait les frais de l'occupation nazie durant cette dure période. Le 17 juin 1940, à 16h, notre commune, autrefois décrite comme paisible, se retrouve envahie par un important groupe de soldats allemands. Comme en témoigne Madame Sergent, je cite, « C'est alors que la vie devient plus difficile. En effet, la vie des Ancinois est rythmée par le couvre-feu, les corvées, les restrictions et l'interdiction des sorties. » La libération du 11 août 1944, les Ancinois l'attendent avec impatience depuis plus de 4 ans. La 2e DB du général Leclerc, qui a débarqué le premier du mois sur la plage d'Utah Beach, en Normandie, ne cesse d'avancer vers Ancine. Après de longs combats, elle libère successivement Avranches, Sablé et Le Mans. Le 11 août 1944, une grande agitation se fait ressentir dans notre village. Complètement désorganisées, les troupes allemandes ne sont plus ravitaillées et elles détruisent leurs propres dépôts de munitions. Dans cette matinée, des forces ennemies en retraite arrivent. Vers midi, tout Ancine se trouve envahi par ce qui reste de l'artillerie allemande. Après plus de 9 heures de combat, les Allemands s'enfuient dans la forêt de Persaigne. Monsieur Potier explique clairement la situation. Le matin, on donnait à boire aux Boches et le soir aux Français. Durant cette journée, les soldats Gaston Fieffé, Gilbert Godillot, Léon Pagnou et Dominique Missoff perdront la vie à Ancine. La famille Poirier est endeuillée avec 4 de ses membres victimes des combats. Le père et les 3 enfants âgés de 2, 13 et 15 ans,
réfugiés de Saint-Germain-du-Corbéis, sont tués par un obus. Une cinquième personne est tuée dans les mêmes circonstances, il s'agit de Marie Huet. Bien que la situation d'Ancine pendant ce conflit ne soit pas abordée dans les manuels scolaires, notre village compte également ses héros de guerre. Sans faire de la résistance active, de nombreux Ancinois ont tout de même participé à cette victoire dans la mesure de leurs moyens. Je pense aux familles Hermenot, Gélin, Barré, Pathé, Deslandes et bien d'autres qui cachèrent et sauvèrent un parachutiste anglais, un jeune soldat tunisien ou encore des évadés de prison ou de camps de travail forcé. Je pense à M. Potier avec ses deux voitures et Mme Saillant qui portèrent secours aux blessés. Je pense à M. Gaston Poirier qui était en relation avec le centre de résistance de Vintanaps et cacha des réfractaires au travail obligatoire avant de les diriger vers des filières d'évasion sur l'Angleterre. Je pense à M. Gauthier qui donna des indications précieuses sur la présence éventuelle d'Allemands et à des éclaireurs français. D'autres Ancinois marquèrent également l'histoire de notre village. Paul Lotin, engagé dans le réseau de l'Ouest de la Résistance, il reçut pour mission de rassembler ceux qui désiraient se joindre aux forces françaises de l'intérieur. Il ne participa qu'à une mission, puisque celle-ci lui coûta la vie. Elle consistait à organiser la réception de parachutes d'armes et de munitions dans la nuit du 14 au 15 juin 1943. Arthur de Montalembert, il travaillait dans la résistance en étroite liaison avec Londres. Il favorisa de nombreux passages en Angleterre et prépara le débarquement par une série de reconnaissances sur les côtes de Normandie. Son courage est reconnu par la France entière, puisqu'il fut fait chevalier de la Légion d'honneur le 14 janvier 1948. Paul Dresque, postier d'Ancine, qui rejoignit la lutte aux côtés de Lotin et Montalembert. Il participa à la réception et au transport des armes, ce qui lui valut de vivre jusqu'à la libération en captivité. L'abbé Luçon, prêtre de la paroisse d'Ancine entre 1943 et 1944, il fut un résistant actif en cachant un nombre important d'évadés et de résistants recherchés par la Gestapo ou tout simplement des civils. Lors de la libération du village, c'est l'abbé lui-même qui réussit à renseigner les alliés et empêcha ainsi un bombardement aérien. Dans la nuit, il servit également de guide à une jeep pour se rendre à Alençon. Robert Meunier prit le maquis en 1943 pour échapper au STO, l'obligeant ainsi à se cacher dans la Manche pour échapper à la Gestapo durant les derniers mois de la guerre. Enfin, je terminerai par André Malot, ancien maire d'Ancine, qui prit une part importante à la libération de notre commune en facilitant les atterrissages clandestins. Comme vous le voyez, devant nous, les panneaux que nous inaugurons aujourd'hui avec la borne retracent l'histoire de la libération et nous donnent l'occasion de saluer ces hommes et ces femmes qui nous délibérèrent du joug ennemi. Pour tous les Ancinois, la borne constitue le symbole de la liberté et celui de notre patrimoine mémoriel. Elle nous rappelle l'importance du devoir de mémoire afin de ne jamais oublier les conséquences que peut entraîner la haine de l'homme. Je vous remercie et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Yves Potier, maire honoraire de la commune, partisan de ce projet mémoriel à Ancine. Monsieur le maire, madame la vice-présidente du conseil départemental, mon général, mon colonel, chère Ghislaine Barbonchon, madame Sirou, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, chers amis. Merci d'abord, monsieur le maire, d'avoir voulu m'associer à cette cérémonie. Au-delà des raisons institutionnelles sur lesquelles je ne reviendrai pas et que tout le monde connaît, j'y vois également une marque d'amitié personnelle à laquelle je suis très sensible. Vous avez évoqué et souligné les mérites de la résistance intérieure, et vous avez eu bien raison de le faire, et vous m'avez chargé d'évoquer la France libre. Et au moment de le faire, je voudrais rappeler que ce qui faisait qu'on entrait dans une manière de résister ou une autre était plus affaire de circonstances qu'autre chose. En effet, les Français libres, c'était d'abord pour la plupart des gens qui ne se trouvaient pas en France occupée au moment de l'occupation, c'est-à-dire ils étaient dans la partie non occupée ou dans les colonies ou à l'étranger.
Puis d'autres qui étaient en France occupés sont partis parce qu'ils ont pu le faire, ils avaient les moyens, souvent matériels, relationnels, ou alors à la proximité des côtes ou des frontières. Quant aux autres, ils n'avaient d'autre choix que de résister sur place, là où ils se trouvaient, et ils ont tous fait leur devoir du mieux qu'ils ont pu, là où ils se trouvaient. Donc il serait vain de vouloir comparer les mérites des uns et des autres, ils ont tous participé à cette grande œuvre de libération. Donc au moment d'évoquer la France libre, je voudrais souligner combien la 2e division blindée du général Leclerc a été un modèle d'intégration de gens venus de tous les horizons. Quelques exemples. Les femmes, tout d'abord. D'abord, la France libre intègre pour la première fois des femmes dans l'armée, non pas comme personnel civil, mais comme militaire. C'était une première en France. Et souvent dans des fonctions support, notamment des fonctions sanitaires. Et souvent, au départ, loin des zones de combat. Leclerc innove en leur permettant d'exercer au sein des unités combattantes. Les pionnières sont les Rochambelles, qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est une unité d'ambulancières volontaires franco-américaines constituée aux États-Unis. Et des jeunes femmes américaines qui étaient aux États-Unis, c'était des femmes de très grandes familles dans les affaires ou dans la diplomatie. Et donc, elles avaient toutes les raisons, elles avaient une vingtaine d'années, elles avaient toutes les raisons de rester aux États-Unis à poursuivre leurs études et prendre des leçons de piano. Et elles ont voulu s'engager très activement dans les combats. Donc elles ont rassemblé, sous la conduite de leur chef, Madame Conrad, elles ont rassemblé les sommes pour financer des ambulances toutes neuves, des ambulances américaines, et elles ont traversé l'Atlantique pour venir se mettre à la disposition de Leclerc. Malgré quelques réticences liées à... C'était un homme de son époque et de sa condition sociale, donc l'arrivée de femmes était un peu nouvelle pour lui. Il les a finalement accueillis dans la division, et selon le même schéma, il a intégré ensuite les marinettes, qui étaient des ambulancières. Alors cette fois, c'était des militaires. Les Rochambelles sont devenus des militaires pour la durée de la guerre, alors que c'était des civils au départ. Et les marinettes, donc militaires des forces navales françaises libres, ont constitué une seconde unité d'ambulancières aux côtés des Rochambelles. Et puis il y a une troisième unité qui n'était pas constituée que de femmes et qu'il faut citer également, c'était les Quakers anglais, une église protestante opposée à l'usage des armes, donc en fait des objecteurs de conscience. Mais Leclerc intègre aussi les objecteurs de conscience avec profit et utilité, et tous ces trois unités ont mené une guerre magnifique au service de leurs camarades combattants, et un certain nombre l'ont payé de leur vie. La deuxième famille de personnes intégrées, ce sont les étrangers. Les historiens ont recensé 22 nationalités représentées dans cette colonne, dans cette deuxième DB. Certains en très petit nombre, évidemment. Toute l'Europe, toute l'Afrique, une bonne partie de l'Asie également, était présente, et il y a eu quelques personnalités tout à fait notables. Je vais juste citer les républicains espagnols, parce qu'ils étaient assez nombreux. C'était de rudes soldats qui avaient été formés aux horreurs, par les horreurs d'une guerre civile, puis par les nécessités d'échapper aux troupes franquistes après l'issue des combats. Ils sont regroupés au sein de la fameuse Nueve, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad. Ce sont eux qui entrent les premiers dans Paris le 24 août au soir, et ils sont conduits par leur chef, le capitaine Drone. C'est un officier de réserve, administrateur colonial, et un Sartois d'origine. Après la guerre, il devient maire des Comois, sénateur, puis député de la Sarthe. Alors, une anecdote, vous savez que les véhicules avaient tous un nom. Les véhicules de combat avaient un nom glorieux qui renvoyait une bataille. Quant aux véhicules de service, jeep et camion, ils avaient un nom qui était un peu laissé à la liberté, à l'imagination des soldats. Et le capitaine Drone avait intitulé sa jeep Morocon. Un jour, Leclerc, considérant que c'était quand même pas très bon pour la discipline, mais sans grande conviction, je crois, lui fait la remarque en disant « Capitaine, il faudra peut-être changer le nom, quoi. » Et Drone, sans plus de conviction, explique en bafouillant que le gars qui s'occupait de la peinture n'avait pas eu le temps de le faire, enfin bref. Et Leclerc ajoute « De toute façon, on n'aurait pas assez de munitions. » Enfin, troisième catégorie de troupes intégrées dans la deuxième DB, les troupes qui étaient restées sous le contrôle de Vichy. Parce qu'en effet, on passait de la France libre à la France combattante. Et la France avait besoin de tout le monde. Et en plus, on avait besoin de réconcilier les Français. Donc ces troupes étaient restées sous l'autorité de Vichy, mais en Algérie. Donc elles ne s'étaient pas compromises gravement
contre les Français. Et d'autre part, l'avantage, c'est qu'elles étaient restées en ordre de bataille, en ordre de marche, avec une formation des sous-officiers en encadrement. Lorsque Leclerc arrive en Algérie pour constituer sa DB, il sera immédiatement auprès du colonel de Langlade, qui dirige le 12e régiment de chasseurs d'Afrique. Je pense qu'ils se connaissaient déjà, et l'avocat Leclerc, qu'il savait être également, à la suite d'un dîner avec son collègue Langlade, réussit à le convaincre, et Langlade rejoint Leclerc avec tout son régiment, régiment blindé structuré, composé d'hommes formés, encadrés, qu'il suffira juste de convertir sur le matériel américain qui équipe la division. Et puis il y a toutes ces fortes individualités, parmi lesquelles des vedettes telles que Jean Gabin, Jean Nohain, ou l'acteur Claude Dauphin, Jean Marais, l'acteur également. D'autres célébrités politiques, comme Yves Guénat, blessé à la hutte tout près d'ici, le journal de marche de son régiment dit « Nous laissons le lieutenant Guénat pour mort à la hutte ». Heureusement, le mort a survécu jusqu'à 95 ans, il a eu la grande carrière que vous savez. Puis il y a tous les anonymes, les anciens, alors malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux, ils sont très âgés, mais tous ces anciens qu'on a eu le plaisir d'accueillir toutes ces dernières années, à Ancine notamment, dans le parcours de la 2e DB. Je voudrais, parmi nos quatre victimes qui ont été citées tout à l'heure, je voudrais rappeler le parcours de Dominique Denis-Marie Lissoff, né le 6 avril 1923 à Mayence, en Allemagne. Il est tout jeune. Il rejoint la France libre dès juin 40 à 17 ans. Il y retrouve Yves Guénat, il y retrouve Daniel Cordier, qui le cite dans son livre. Après une formation chez les cadets, il part combattre en Afrique, aux côtés de Leclerc. Sergent-chef au régiment de marche du Tchad, il est tué à Ancine, donc le 11 août 1944, à 21 ans. Il est titulaire de la médaille militaire, de la Croix de guerre 39-45, et de la médaille de la Résistance. Sa dépouille repose au cimetière du Conquet, dans le Finistère. Pour nous, Dominique Missoff restera toujours le tout jeune homme qu'on voit sur cette photo, sur le panneau là-bas, à peine sorti de l'adolescence et qui est venu offrir ses 20 ans pour notre liberté. Pour conclure, je souhaite donner la parole à deux personnalités. La première, c'est le pasteur Gou, qui s'exprime en 1922 lors de l'inauguration du monument aux morts élevé à la mémoire des quelques 5000 jeunes Saint-Cyriens disparus pendant la Grande Guerre. Ne disons pas, c'est le pasteur qui parle, ne disons pas, ils ont peu vécu. Nous estimons la vie à sa durée. Il y a des vies longues mais vides, des vies courtes mais pleines. La vie vaut par l'intensité. Ce qui importe, c'est qu'elle ait un sens. C'est que soit ramassée en un instant, peut-être une minute, une intensité qui la caractérise, la hausse et la classe. Vivre, c'est arracher à la part, longue ou brève, qui nous est donnée, sont sublimes. Fin de citation. Cette phrase résume parfaitement le destin à la fois tragique et glorieux de Dominique Missoff et de ses camarades tombés avec lui. La seconde citation, et j'en terminerai là, et du général de Gaulle, et elle concerne l'ensemble de la 2e DB. L'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. Non seulement en raison de la valeur du chef et de l'itinéraire terrible et merveilleux qu'il parcourut avec ses compagnons, mais aussi parce que lui et eux donnaient sans cesse tout d'eux-mêmes sans calcul. Oui, leur effort, tous ces hommes purs et forts qui en ont porté le poids, depuis leur jeune et glorieux général, jusqu'aux plus obscurs soldats, en faisaient un humble don, offert de toute leur ferveur, à la douleur et à la fierté de la France. C'est pourquoi il n'y a pas une ombre à ce tableau. Fin de citation, je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs les élus, chers ancinoises et ancinois ici présents, chers amis qui nous suivons depuis plusieurs jours, je parle des porte-drapeaux, de la musique, des reconstituteurs aussi derrière, chers passionnés par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Nous fêtons aujourd'hui à Ancine le double anniversaire des 77e années de sa libération par les gars de Leclerc et des 80 ans du serment de Koufra. Quelle belle coïncidence, alors que nous avons inauguré une borne portant ce nom. En effet, monsieur le maire, vous avez décidé de rejoindre la communauté de la voix de la 2e DB. Cette communauté,
Ce club que vous rejoignez se compose actuellement de plus de 120 communes qui ont vécu une histoire avec la division Leclerc en 44, entre Saint-Martin-de-Verville et Strasbourg, en passant par Alençon et Paris. Ancine fait partie maintenant de ce patrimoine historique national. Alors pourquoi cette voie a-t-elle été créée ? Revenons en juin 1945. Avant de les quitter, le général Leclerc avait confié la mission à ses hommes de, je cite, « répandre dans le pays le patriotisme qui a fait notre force ». Fin de citation. Il leur demandait donc de répandre le patriotisme dès qu'ils, une fois qu'ils auraient regagné leur foyer. C'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps au sein des amicales de la 2e DB, qui étaient réparties dans toute la France pour susciter au sein de la population française le fameux devoir de mémoire. Alors mémoire, tout d'abord, envers les jeunes gars de Leclerc, dont le sacrifice n'a pas été inutile, puisque le pays n'a plus connu depuis de séismes comparables à ceux des deux guerres mondiales et nous permet de vivre depuis 77 ans une relative période de paix sur le sol métropolitain. Ici, à Ancine, quatre gars de Leclerc ont donné leur vie pour que votre commune soit libérée. Nous les avons évoqués depuis plusieurs minutes et ils ne sont pas oubliés. Je salue, j'en profite pour saluer la présence des familles d'anciens, Madame Sirou, le colonel Godet, et une famille aussi, une fille d'un glorieux ancien qui est passé par ici. Mais ce devoir de mémoire vise aussi à maintenir un esprit de défense parmi les jeunes générations pour que notre pays ne puisse pas un jour baisser de nouveau la garde comme malheureusement il a fait après la Première Guerre mondiale. Il convient ainsi de tirer les leçons du passé et de faire face aux menaces auxquelles notre société et notre civilisation sont confrontées. Aujourd'hui, elles sont certes différentes, mais elles sont néanmoins présentes. Nous vivons dans un monde instable. Il existe une vraie menace, aussi totalitaire qu'était le nazisme à l'époque, qui doit être combattu avec la plus grande fermeté. Il s'agit du séparatisme islamiste désigné nommément par notre président de la République. Mais il existe aussi des menaces internes, plus sournoises, comme le chômage endémique, la perte de repères moraux et du lien social, la disparition de pans entiers de notre histoire dans les programmes éducatifs, et enfin, le communautarisme qui s'installe dans nos régions. Tout cela induit un phénomène de masse critique, et le corps social français perd sa capacité de résistance. Beaucoup ont tendance à baisser les bras, comme l'ont fait nos dirigeants et notre population en 1938, en acceptant les accords de Munich. Leclerc, en 1945, était très concerné par la reconstruction des valeurs morales et patriotiques de la France. Il était conscient que chaque génération devait lutter pour défendre les valeurs qui fondent la civilisation. Ce que nous appelons l'esprit Leclerc reste un exemple, un héritage pour les jeunes générations, un exemple de volonté, de dépassement de soi. Le serment juratoire de Koufra est avant tout un engagement à ne jamais renoncer à ses idéaux, quel qu'en soit le prix, écrit une descendante d'anciens de la 2e DB. C'est le message principal laissé par ce serment prononcé il y a 80 ans. L'esprit Leclerc, c'est aussi la cohésion, l'esprit de groupe. Cela a été évoqué tout de suite. La 2e DB était composée d'hommes venant de tous les horizons politiques, religieux, 22 nationalités différentes, et cela fonctionnait.
Quelle belle leçon à retenir aujourd'hui, alors que notre société est affaiblie par le cholestérol mortifère de l'égoïsme social. Maintenant que les amicales de nos anciens ont quasiment disparu, la voie de la deuxième DB a été créée pour les remplacer. Les communes prennent en quelque sorte le relais pour assurer ce devoir de mémoire. Chaque année, lors de l'anniversaire de leur libération, elles auront à cœur de se regrouper avec les jeunes générations pour leur rappeler les enseignements du passé. Tous les moyens doivent être développés pour intéresser ces jeunes et les sensibiliser sur leur patrimoine historique. C'est dans ce but qu'un QR code est collé sur les bornes du serment de Koufra. Cela permet, grâce aux techniques modernes dont les plus jeunes sont friands, de disposer d'informations historiques sur la libération de leur commune avec photos d'époque et vidéos. J'invite les habitants d'Ancine à consulter ce qui peut être assimilé à un musée à ciel ouvert sur la borne qui est juste devant vous. Pour les moins jeunes, il existe les deux panneaux pédagogiques que nous avons aussi dévoilés et qui racontent ce qui s'est passé il y a 77 ans. Nous rappelons aussi que la Fondation, il y a 2 ans, a édité un guide Michelin touristico-historique qui sera réédité en 2024 pour le 80e anniversaire et dans lequel, bien sûr, Ancine figurera. Merci, Monsieur le maire, d'avoir eu la volonté de vous doter de cette borne pour faire partie de la voie de la deuxième DB. Je sais que vous saurez faire passer le message aux jeunes générations. Vous recevrez maintenant notre trimestriel qui s'appelle Caravane, que je vous invite à lire. Vous aurez un accès illimité à notre site internet et en particulier au site pédagogique. La maison de la deuxième DB et la Fondation Maréchal Leclerc sont, dès aujourd'hui, vos partenaires pour œuvrer à vos côtés à cette belle mission mémorielle. Vive Ancine, vive la deuxième DB et vive la France.